Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. En ce moment, on a des promotions sur le Street Fighter 6 à seulement 40,99€ ou bien même Diablo. Vous avez la version Xbox à 64,29€. Et si vous êtes fan comme moi forcément de Dragon Ball, vous avez de nombreux jeux tous en promotion comme par exemple Dragon Ball Xenoverse 2 à moins 88 à seulement 5,78€. Et pareil pour les Fighter Pass, les DLC, Dragon Ball Z Kakarot à seulement 12,07€. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, c'est Fanerick. On se retrouve aujourd'hui pour des invocations sur le jeu Dragon Ball Legends. Il est temps d'aller monter en étoile la carte Goku Tag Freezer LF avant l'arrivée de la partie 2 de l'anniversaire des 5 ans de Dragon Ball Legends. Alors pour ceux qui se demandent quand est-ce que ça devrait arriver, peut-être ce mercredi, les nouveaux personnages, ou le week-end prochain. On verra bien, de toute façon, restez bien connectés sur la chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous savez très bien, je vous balancerai toutes les infos en temps et en heure voulu. Bon, juste avant cela, avant d'aller invoquer, je tiens juste à préciser une chose, les amis. Pour ceux qui sont sur mon compte Twitter, ou si jamais tu n'es toujours pas follow mon compte Twitter, n'hésite pas à le faire, le lien est dans la description de cette vidéo. Eh bien, hier soir, j'ai mis une news. Bernard is back, le retour de Bernard Montana en live sur Kick prochainement. Donc voilà, les amis, Bernard Montana va revenir. On avait fait un sub goal de 140 subs sur Kick, on l'a atteint. Vraiment, merci à vous. Donc voilà, Bernard Montana, le retour sur Kick. Alors, n'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Kick si ce n'est toujours pas fait. Le lien est dans la description de cette vidéo également. Kick, comment ça se passe? Vous tapez dans votre barre de recherche Google Kick. N'installez pas l'application mobile, ok? Comme ça, vous n'avez pas de bug. Et quand vous êtes directement sur le site Kick, on vous dit de télécharger l'application. Tu fais pas maintenant. Voilà, tu le fais pas. Et tu navigues sur Kick sans bug, etc. Parce que l'application mobile, elle est encore en phase bêta. Donc voilà, après, n'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Kick. On est quand même 1695 là. Ça avance, les amis. En 2 semaines de Kick, on est certif. On est partenaire Kick, du coup. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Bon, sur ce, je pense qu'il est temps d'aller invoquer. Et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki-Dama. Allez, let's go. Et n'hésitez pas à me dire, vous avez combien d'étoiles votre tag? N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, histoire de mettre un petit peu le seum, tu vois, vu que moi je suis parti chercher la pitié. Alors voilà comment ça va se passer. Ici, on a le Limit Break. Pour être sûr et certain d'avoir le tag en étoile, je tiens à préciser qu'ils vont bien booster la carte du tag et ça risque de devenir la meilleure carte du jeu. Et bien du coup, il y a des PZLF à aller récupérer. Il y a 600 PZLF avec 18 médailles et 2 fois 200 PZLF, ce qui nous donne 1000 PZLF. 1000 PZLF, tu le montes en étoile là, tu vois. Et ben, faut dépenser 5000 cristaux. J'en ai 6825. Coup de CB encore, tu connais. On est parti, 3, 2, 1, yeah! Donc là, on va récupérer des médailles à chaque palier du step. Et ces médailles-là me donneront des PZ. Et peut-être, je peux également choper d'autres personnages dans ce step. Parce que là, on est dans l'espace, 5 capsules, SSJ. Peut-être on peut avoir du LF, tu vois. Je sais qu'il y a du Goku SSJ 4, Zenkai LF, etc. Moi, j'en veux bien, tu vois. Broly. Pas de Broly. Ok, rien. Fake out peut-être, c'est dommage. On a l'espace, on a le SCJ, 5 capsules, pour que l'animation, elle se termine catastrophiquement. Ok, c'est pas ouf là. C'est pas ouf, ok, bon, très bien. Bah, il y a même pas eu de sparking, ok. L'animation commençait bien, elle a mal fini. Hein, tu vois, c'est ça résume un petit peu mon expérience sur le jeu de DB Legends pour cet anniversaire des 5 ans. On est parti, 3, 2, 1, yeah! Allez, let's go! Donc encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo. Il y a le lien Instant Gaming, Kick, Twitter et bien évidemment le lien Instagram. Voilà, n'hésitez pas à follow également Instagram. En ce moment, on fait quand même pas mal de concours, surtout pour l'anniversaire des 50 DB Legends. Il va y avoir là un gagnant justement pour la carte Google Play et Apple Store, je n'ai pas oublié. Et ensuite pour la deuxième partie, on retirera également encore un deuxième gagnant. Donc n'hésitez pas à aller vous follow, ça vous permettra d'aller invoquer sur le jeu DB Legends. Ok. Sauzer, bah c'est pas ouf hein. C'est pas ouf hein. Alors après je sais que le taux de drop il est catastrophique sur ce portail, mais des fois c'est ton jamais, tu vois. Un petit perso qui sort un peu de nulle part, on prend, tu vois. Allez, 3, 2, 1,
Allez, c'est parti. Let's go. Allez, 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 allez. Et d'ailleurs, ah oui, je tiens à préciser, ce dimanche 11 juin, on sera en live sur Kick, d'ailleurs, à 19h pour la conférence Xbox. Sait-on jamais si on peut avoir des news sur Dragon Ball. Alors, il y en a, ils vont me dire, bah non, mais c'est Xbox, Dragon Ball. Bah, Dragon Ball Fighters et Dragon Ball Kakarot avaient été annoncés pendant les conférences Xbox. Donc, on sait jamais. On sait jamais, tu vois. Petit Tenkaichi 4, sait-on jamais, Xenoverse 3, on sait pas. On verra bien. Voilà. Donc, ce sera à 19h sur ma chaîne Kick demain, en ce dimanche 11 juin. Donc, n'hésite pas à aller te follow, frérot. Ok, let's go. Mais par contre, c'est catastrophique, là. On fait vraiment ça pour les PZLF, là, mais on peut pas avoir un perso qui sort de nulle part, là, tu vois. Un petit truc, non. 3, 2, 1, yeah. C'est parti, let's go. Palier numéro 4. Frère. Toshi. Frérot. 3-4 dessus. Planète de la Hesse. Toujours planète de la Hesse. Compliqué, là. Hein. Compliqué. Mais sait-on jamais. Ok. Glisser bleu. Ok. Il prend toujours pas le dessus. Fake out peut-être, non, je sais pas, un truc, non. J'ai pas le droit à ça. J'ai pas le droit à ça. Eh, j'ai pas eu un seul sparking là. Même sans parler d'LF ou quoi, j'ai... Quand même, fake out, merci. Bon, après, si c'est pour avoir ça comme sparking, bon, ils peuvent se le garder, tu vois. Super Bou, que j'ai déjà 14 étoiles. J'en ai pas vraiment l'utilité, frérot. Hein. C'est un truc de fou, les gars. Eh, l'anniversaire des 50 DB Legends, pour l'instant, c'est partie 1 pour moi. Elle est ratée de A à Z en termes de drop. Je me suis fait shaft de fou, que ça soit sur le tag, je suis parti chercher la pity, que ça soit sur It Ultra, on a encore rebalancé je ne sais combien de cristaux, on s'est encore fait shaft. Et même ça, j'arrive même pas à avoir un petit truc sympa. Bon. 3, 2, 1, yeah! On espère que pour la partie 2, on sera bien servi, frérot. Ouais, Toshi, faudra te rattraper, là. 5 capsules, palette de la HS. Y'a rien. Pas des CJ, rien du tout. Il se fait des boîtes axes. Très bien. Glisser rouge, IX garanti. Il reprend pas le dessus. Il sait pas prendre le dessus, Goku, contre Freezer. Il arrive pas à prendre le dessus à chaque fois. Il connaît pas. Il croit que, voilà, faut... C'est un truc de fou, hein. Ok, IX. C'est l'hyper en slip. Ginyu. Eh bé. Allez, 3, 2, 1, yeah! Allez, le jeu. Fais-moi plaisir, le jeu. Ok, let's go. Allez. Non, c'est pas possible. La planète de la Hesse, j'en peux plus. Vraiment, quand je vois 3 capsules, la planète toute verte là, de Namek là, non, j'en peux plus. Tu sais que c'est la Hesse. Tu sais que l'animation, ça va être la Hesse. Tout ce qu'il va y avoir dans cette multi, ça va être la Hesse. C'est un truc de ouf. À moins d'avoir un fake out. Il n'y a que comme ça à chaque fois que tu peux t'en sortir. Mais pour l'instant, Tema, l'autre, il me tire la langue, c'est le junior. Voilà, Cyberman, frère. Tu vois ou pas? C'est la Hesse. C'est une multi-invocation de la Hesse. Allez, on continue. Yeah! Allez, c'est parti. Allez, le jeu. Fais-moi kiffer. Fais-moi plaisir. Fais-nous plaisir, le jeu. Allez. 5 capsules, c'est déjà mieux, mais toujours planète de la Hesse, pas de CJ. On est abonné à la planète de la Hesse. Dites-moi si vous avez eu de la chance dans ce portail, si vous l'avez fait, ou si vous gardez vos cristaux tout simplement pour la partie 2, parce que c'est vrai que ça arrive vite. Bon, moi, vu que je mets de l'argent dans le jeu, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse monter mon tag en étoile, tu vois. Parce que, bah, défensivement, c'est pas trop ça, surtout qu'ils vont bien le booster. Donc, autant l'avoir avec des étoiles, mais bon. C'est pas ouf, hein. Oh là 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 là, la catastrophe. Et j'ai eu qu'un seul sparking pour l'instant. C'est ouf. Mais c'est ouf. Alors, je sais que le taux de drop, il est claqué, mais quand même. Un minimum. Yeah. Et merci à tous ceux qui follow la chaîne YouTube. Soyez les bienvenus. Merci à vous. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Merci beaucoup. Ah, c'est de pire en pire. Une capsule, frère. Et encore, la capsule, elle est arrivée au ralenti, frère. C'est un délire.
Elle est arrivée au ralenti. Après, peut-être qu'on peut avoir un truc qui sort de l'ordinaire. Let's go. Fais plaisir. Non, là, elle n'a pas fait plaisir. Non, fait... Faire plaisir, des Belly Jones, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, panne. Frost. Totepo. Ah, Sparkling, purée. Ça annonçait même pas un Sparkling, une capsule et tout, même pas de fake out. Sparkling, je comprends rien du tout à ces animations. Là, la vérité, bon, après j'ai déjà 14 étoiles, donc j'en ai pas l'utilité, mais bon. Deuxième Sparkling, hein, c'est très pauvre, hein. C'est très très pauvre. Ok. Broly. Videl. Yamcha. Bon, c'est pas ouf, hein. Là, franchement, c'est pas ouf. Ok. Palier numéro 9. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti le jeu. Allez, fais plaisir. Fais plaisir. Et après, on va aller monter en étoile, justement, le tag. Allez, fais plaisir pour la dernière. Allez. Toujours la planète de la race. J'ai pas eu Namek en feu ou quoi. Il y a que l'espace que j'ai eu à un moment. Mais. Ok, pour la dernière, Genki-Dama, bah voilà. Bah alors. Bah c'est ça qu'on demande, frérot. Ok. Ike. Ah. Il avait bugué. Let's go. Sait-on jamais. Ça peut être un bon truc. LF, tu sais, le mec, il veut un LF, absolument. LF ou pas. Déjà qu'il donne le Sparkling, ce sera déjà pas mal. Mais j'avoue, si c'est LF, c'est mieux. Ok. Ouais. Gatai Zamasu, que j'ai déjà 14 étoiles. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Sait-on jamais. Pour l'instant, c'est le troisième Sparkling que j'ai eu. Hein. C'est très pauvre. Hein. Ah, deuxième. Mais le quatrième Sparkling que j'ai, c'est Gwen Transfo, frère. C'est pas ouf. Bon, eh ben, écoutez, on a déjà fait ça. Alors, maintenant, faut aller monter en étoile. Pour le monter en étoile, on va aller directement bah, dans le marché. Hein. On va pas se casser la tête. Marché, et on va prendre les PZ. Voilà, PZ Limit Break. Allez, tu prends les 600. Échanger, voilà. Tac. Utiliser, bien sûr qu'on va utiliser. Voilà. Et là, du coup, on va prendre le tag qui est ici. Et on fait régler. Hop! Dépassement de limite, transformé. Let's go. Voilà. Dépassement de limite. 4 étoiles. On continue. C'est pas terminé. Pour que ce soit pas terminé, c'est que j'ai déjà des PZ dans la box. Donc, on va les utiliser. Voilà, utiliser. Tac. On les prend, ils sont là. Bim, mange. Bon appétit, frérot. Allez, bon appétit. Voilà. Voilà. Tac, ça, c'est bon. Maintenant, on retourne chercher les autres PZ pour continuer, bien évidemment, qui sont là. Ah, ne faut pas que je me trompe, hein, parce que alors là, si je me trompe, j'ai le seum de ouf. Voilà, 200 PZ. Tac, utilisé. Hop, hop. Il passe 5 étoiles. C'est une très bonne chose. Et maintenant, il faut 500 PZ pour le passer à 6 étoiles. Ok, bon, c'est déjà pas mal, là. C'est déjà pas mal. Donc, on continue. Bim, échanger. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais les garder pour plus tard. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai encore 100 PZ de côté. Donc là, j'ai 300 PZ dans ma box. Il m'en faut 500 pour le monter à 6 étoiles. Et je crois que normalement, je les aurai. Parce que là, du coup, ça me ferait 400 PZ avec celui-là. Ok, c'est pas mal. Et je crois que j'en ai encore à aller récupérer. Non, c'est pas là. Tac, 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 tac. On va regarder. Dans le raid, j'ai quoi d'autre? Non, c'est bon. Là, j'ai... Ouais, il me reste encore 100 cristaux, là. Faut que j'aille les chercher. Chance time. Ok, on verra si on a de la chance là-dessus. Tiens, 5e anniversaire. Ok, et eh bah ben, ouais, j'aurai les 500 PZ avec ces PZ-là. Il me faudra juste une dernière médaille. Et j'aurai les 500. Donc, on va patienter. Pour avoir cette dernière médaille. Et ensuite, bah, on pourra enfin le monter à 6 étoiles. Et même, en fait, ouais. Ouais, sinon, il faudrait que j'ai également les médailles là. Mais bon,
on a encore un peu de temps. Donc voilà, bah on pourra le monter à 6 étoiles, le personnage, là, prochainement, en ayant la dernière médaille. Pour l'instant, les 5 étoiles, c'est déjà bien. On s'en sort pas trop mal en ayant été chercher à la pitié, etc. Mais ça coûte cher. Encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas à aller vous follow sur ma chaîne TIC. C'est Sofiane Nubik. Le lien est dans la description de cette vidéo. Demain, ce dimanche 11 juin à 19h. Conférence Xbox, on espère du lourd pour des jeux Dragon Ball. Voilà, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.